Bon, et ben nous voilà partis, tous les deux comme ça, en amoureux. Mes parents sont à la maison avec les enfants. Et du coup, nous, on a vite parti là parce qu'on va tout simplement à Nice. Gros kiff là. Je suis trop contente. À Nice, ils organisent, comment on appelle ça, un concert avec plein de chanteurs des années 2000. Plein. Genre ma passion, tout ce que j'aime. Années 80, années 2000, ma passion. Je suis restée bloquée vraiment à l'ancienne, moi, par contre. Vraiment, j'avance pas, j'évolue pas à la musique de maintenant. Je n'arrive pas. Et voilà, et du coup, il y a la Russo qui nous a invités et on va aller passer une super soirée, on va se régaler. C'est sur 3 jours, je suis trop deg parce qu'on fait qu'aujourd'hui. On ne pouvait pas faire des allers-retours à Nice comme ça, 4 heures de route, aller-retour. Donc on y va le jour là où elle est là. Mais c'est vrai que j'aurais vraiment kiffé faire le programme en entier parce que c'est que des artistes de dingue, de dingue. Et voilà, on est arrivé à Nice, dans les rues de Nice, trop bien. Et on va voir le lieu du show, on a mangé avec Laetitia, enfin la Russo. Et du coup, je ne sais même plus. Et on a passé un moment et là maintenant, on va chanter. Alors là, je vais chanter les gars, vous n'êtes pas prêts. Restez connectés parce que ma voix, je vais tout casser. Ça y est, on est arrivé. Beaucoup de routes, beaucoup d'embouteillages, voilà, on est très fan, on adore, c'est la meilleure, de la soirée là, on dit pas aux autres. On dit pas aux autres. C'est dur, je peux vous le dire. Très très difficile. On est rentré très tard de Nice. Et là, on doit se lever très tôt parce qu'on a un rendez-vous pro. On a 1 heure de route. Oh là là. Ça pique. Ça pique de ouf. Je vais mettre mes lunettes aujourd'hui parce que hier, j'aurais dû les mettre. Hier, je voyais plus. Je pense que j'ai les yeux, ils sont déshydratés. Je vois tout chaud. Putain, moi, j'ai souvent des problèmes de vision. Ceux qui sont avec moi, souvent j'ai des problèmes de vision quand même. Dès que je suis un peu fatiguée ou dès que... Je sais pas. Je vais mettre mes lunettes aujourd'hui. Oh là là, comme c'est difficile. Allez, c'est pas grave, 5 heures de sommeil. On dormira mieux ce soir, j'ai envie de vous dire. Et à chaque fois, je fais que me frotter les yeux. Mais c'est parce que j'ai besoin qu'ils voient net, en fait. Parce qu'en fait, j'y vois pas net. J'y vois pas bien. Ma vision, elle est pas nette. C'est pour ça que souvent, je me frotte les yeux. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois pas qu'elle va arriver net si j'ai pas de lunettes. Allez, douche. Et 1 heure de route et go. Il y en a plein de rendez-vous aujourd'hui. On a un premier rendez-vous pro, ensuite on part, on va dans un autre endroit. Et ensuite, on rentre à la maison. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très fort. Et on a passé une très bonne soirée à Nice. On a rencontré plein de gens du coup. C'était super sympa parce que c'est vrai que... On va pas beaucoup dans des événements ou dans des endroits là où il y a plein de monde. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer beaucoup, beaucoup de monde. Et là, on a rencontré plein d'entre vous et tout.
C'était vraiment hyper sympa. On s'est retrouvés sur la scène pour annoncer la Rousseau. N'importe quoi. Non, mais en fait, je vous explique, à la base, on avait dit non et tout, on va pas sur la scène. En plus, les gens, c'est même pas notre public, ils sont même pas venus pour nous. Genre, c'est vraiment pour les années 2000 et tout. Et après, je voyais plein de petits gens au début, en première ligne, qui nous voyaient entre le rideau et qui nous faisaient des coucous et tout. Je me suis dit, allez, viens, on y va. Ça prend 2 secondes, on annonce la Rousseau. Et voilà, donc du coup, on a pu aussi rencontrer certains d'entre vous avec qui on a pu, pour certains, faire des photos et discuter. C'était super sympa. On a passé un bon moment, on s'est régalé, j'ai chanté, je me suis régalée. Les années 2000, c'est quand même la base, quoi. Genre la Rousseau, c'est vraiment une base quand t'es jeune. Franchement, c'était cool. Allez, c'est parti. Si je me lève pas maintenant, je ne le ferai jamais. Je vais enlever quand même ce vieux préservatif de ma tête. Et on y va. Allez, premier rendez-vous terminé, il est 14h. C'était un long rendez-vous, ça a pris beaucoup de temps, je pensais que ça allait durer 1 heure ou 2.